Bonjour. Bonjour. Il est de ces mots, comme des expressions, comme par exemple ça va, que l'on utilise inconsciemment tous les jours, chaque jour de notre vie. On balance des bonjours toute la journée, à tout va, puis viennent les bonsoirs. Et la boucle est bouclée. On recommencera demain matin, à l'infini. Bonjour. Bonjour. Souvent, on n'y met pas le poids, le sens, l'importance nécessaire. On ne se rend peut-être pas ou peut-être plus compte que l'on souhaite une bonne journée, un bon jour à notre interlocuteur. Et aussi furtif soit-il, les bonjours sont pleins de promesses de passer une bonne journée. Bonjour. Salut. Moi, perso, j'adore dire bonjour. Je pourrais même dire que j'adore dire bonjour à n'importe qui. Mais c'est qui, n'importe qui? Est-ce que je suis n'importe qui? L'es-tu, toi? Et puis lui? Bonjour. Les mots ont un sens profond que l'on peine à ressentir, à traduire, tant on doit aller vite, se méfier, avoir peur et agir par nécessité. Bonjour. Bonjour. À quoi me servira-t-il de dire bonjour à cette personne? On ne se connaît pas. Elle ne me connaît pas. Je n'existe pas pour elle ni elle pour moi. Nous ne sommes pas nécessaires l'un pour l'autre. Dire bonjour à mon patron le matin, oui, c'est nécessaire. Dire bonjour à mon voisin de palier, non. Et c'est même prendre le risque d'aller au-devant de conflits futurs. Qui sait? Faut se méfier. Salam alaikum. Bonjour. 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 Buenos días. Toutes ces croyances sont des croyances et ne sont pas vérité, même erronées. Elles nous font passer littéralement à côté de notre humanité simple et vraie, à côté de ce que nous sommes, à côté de ce que nous sommes ici sur cette terre, des humains liés et interconnectés. Nous l'avons su, nous l'avons oublié. Nous sommes tombés dans le piège que le système économique dominant nous tend pour se protéger de nous-mêmes, de notre humanité, qui n'est pas profitable pour lui. Car à partir du moment où l'on cesse de se saluer, et donc de se considérer, on commence alors à s'ignorer, on s'évite, on finit par s'isoler, et créer en nos cerveaux toute la place aux fantasmes les plus fous qui viennent gangréner par la peur nos sociétés pourtant humaines et sociales. C'est contre-productif et même paradoxal. Mais pas pour ce système économique-là, parce que lui profite à quelques-uns de s'enrichir sur nos divisions. Car divisé, isolé, déshumanisé, l'être humain cherchera toujours à s'accomplir et à exister autrement, naturellement. Et c'est là que le système capitaliste nous vendra le rêve du bonheur à travers la surconsommation de biens, d'objets, mais aussi l'inutile, le futile, l'apparat, qui, à terme, ruine le monde dans son entièreté. Bonjour. 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 Pouvoir se dire bonjour n'importe quand, sans critères de sélection physique, culturelle, sociaux, c'est considérer l'autre, c'est exister soi et faire exister l'autre, c'est s'élever. Et c'est le premier pas, le plus difficile pour certains peut-être, qui nous engage vers notre émancipation salutaire de ce système sans avenir. Bonjour. 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 Alors disons-nous chaque jour bonjour! Dans la rue, au travail, au magasin, dans le train, dans le bus, cherche à croiser les regards et souris. C'est gratuit et c'est bon. Pour toi et la personne en face. Vous vous sentirez vivant et connecté.
tout simplement humain. Et il sera alors aisé de penser à changer le monde, de le rendre meilleur et plus juste. Bonjour. Bonjour. Pour la réalisation de cette vidéo, je suis allé parcourir les rues d'Annemasse, du centre-ville jusqu'au quartier populaire du Perrier, pour pouvoir rencontrer les gens et leur demander de les filmer. Et ce fut une expérience bouleversante pour moi. Aller à la rencontre de toutes ces personnes étrangères à moi, foncièrement différentes entre elles, et viscéralement identiques en leur chair, n'a pas été chose aisée au départ. Mais une fois le bonjour prononcé, accepté par l'autre et échangé, j'ai pu vivre des moments aussi simples qu'extraordinaires. Tous nécessaires. Salut. 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 Bonjour. Bonjour. Cette expérience m'a offert la possibilité de voir et de ressentir une fois encore toute la force dont nous sommes gardiens. J'en ai la preuve et la conviction. La révolution citoyenne dont nous avons besoin commence par un bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Salut, salut. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci beaucoup, surtout à toutes ces personnes qui ont offert un bonjour sincère à cet inconnu et sa caméra à la croisée dans les rues d'Annemasse le 21 juillet dernier. Vous avez vu comme vous êtes beau ? Vous m'avez vraiment touché par votre diversité, votre humanité, vos sourires et vos rires. Chacun de nous ressent ce besoin de connexion avec les autres. Parce que nous sommes d'une espèce humaine. Une race humaine, identique, et qui doit être interconnectée. Nous sommes comme ça, on ne pourra pas lutter contre la nature. Personnellement, je cède à la tentation de me connecter avec les autres le plus souvent possible, et ce projet vidéo-là fut pour moi un prétexte pour aller vous dire bonjour comme ça à n'importe qui dans la rue. Sinon, je pense que j'aurais été interné. Cette vidéo, ce projet, et surtout son partage sur Internet, est un peu un prétexte pour moi d'aller dire à plus de monde possible que c'est nécessaire d'aller voir les gens, d'aller se voir, se rencontrer, se parler, se considérer. C'est nécessaire et c'est même urgent. Rejoins-moi sur Facebook et Twitter pour réagir à cette vidéo, mais aussi et surtout mets un pouce bleu à cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube parce que j'ai encore 1000 choses à te dire. On a 1000 choses à se dire. À bientôt, bisous.